Salut les amis, voilà enfin la reprise pour moi depuis ce deuxième confinement, j'avais pas roulé depuis. Donc ça aujourd'hui ça je pense que physiquement ça va piquer sévère. D'ailleurs j'étais obligé de régler les amortisseurs, je sais pas si toi aussi tu fais partie de la team réglage amortisseur. On a repris un petit peu du poids, super super mal au dos en ce moment, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais bon j'avais trop envie de sortir. On a mis un petit pneu neuf. Vu qu'il a plu hier, on en a profité pour le changer, histoire d'accrocher un petit peu mieux aujourd'hui. Allez, c'est parti! Ouais, ça y est, on est parti! Bon écoutez, pour l'instant le dos ça a l'air de tenir. Bon, en même temps ça fait trois tours de roue, mais j'ai pas la sciatique qui lance comme quand je suis passe dessus. Donc déjà c'est bien. On va voir jusqu'où ça tient, on va essayer de faire le tour complet et puis si ça va pas on fera demi-tour. Bon ça caille les amis. Moins 1. Ça pique en plus comme un con, j'ai pas pris les gants. Les gants d'hiver. Je me suis loupé, j'ai pris les gants d'été. J'ai le bout des doigts, ils vont tomber. Allez, on est dans la première montée. Premier coup, tour de roue dans la première montée. Cardio, il est déjà à payol. Le vélo, il couine sous le poids de du semblant de pilote. Et c'est parti, on s'accroche. Oh là là. Bon, ben voilà, ça se paye. L'inactivité, ça se paye cash. J'arrive pas à suivre. Cardio, il s'emballe. De suite, moi bon, je m'attendais pas à des miracles avec un bon mois et demi sans faire de vélo et de sport à côté. Ça allait pas être fantastique, mais putain, c'est dur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on perd vite ça? Enfin, je m'accroche, c'est toujours bon d'être avec les copains, d'avoir récupéré quelques copains, même s'ils sont pas tous là. C'est super. Bon, ça irait pas à l'esprit comme. Je le pensais parce que du coup j'y prends beaucoup moins de plaisir vu que je suis dans le rouge, mais ça va revenir. Il faut. Allez, pour mes amis nordistes qui roulent dans la brume et la pluie, c'est pour vous. Bon, 7 km, 240 mètres de dénivelé, moi ça m'a calmé. On va se faire une petite descente tranquille sur DFCI, on remonte et après on va attaquer les belles descentes. Allez, on se laisse un petit peu glisser sur une descente tranquille. Je récupère un petit peu avant la deuxième partie de la montée. Et puis voilà quoi. Là ça fait du bien, là je souffre pas. Allez, ça va pas durer longtemps. Ça remonte, ils sont déjà barrés à 200 km. Ah putain, la misère aujourd'hui. Mais bon, il fait beau. On a récupéré 5 degrés. Les oiseaux chantent. C'est top. Même si je morfle, c'est top. Coucou! Et bon, on pédale tranquillement vers un bon coup de cul qui nous ramènera normalement, selon ce qu'on choisit, sur la première descente. On s'accroche pour suivre les copains. Enfin, à dire vrai, ils ont baissé le rythme. Et puis voilà. La sciatique commence à se faire sentir, donc on va serrer les dents et on va continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, on est dedans. Le coup de cul. Ça va être terrible, ça va être une boucherie. Le morceau plus dur.
dos qui tire en pagaille. Allez, ça va passer. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Allez, hop là, ça glissouille là. Oh, c'est humide. Oh, mais ça. Oh, première descente depuis un mois et demi là. Ça fait drôle. Ouh, ça freine. Ouh, c'est beau. Puis quelle belle descente, ça là, je la kiffe, ça là. Perdu un peu de vitesse quand même. On va essayer de pas se tuer dès la première. Oh, qu'elle est bonne. Oh putain, virage. Ah, je me rappelais plus ça. Ah non, avant ça allait tout droit. Je me rappelais pas de ce virage. Ouh. Ma surprise virage là. Je m'en souvenais plus. Oh, je suis pas sûr de moi là les amis. Ah. Je sais pas vous où vous en êtes, mais moi j'en suis pas loin. Ouh. Ouh. Yes. Et le maître Dudu, incontesté du VTT. Allez! Bon voilà, on renoue avec les descentes. Première descente en un mois et demi, bah écoute, compliqué de tenir le guidon, hein, de se lâcher, mais putain ça fait du bien, la banane elle revient, le moral il remonte. Et merci aux copains de ces belles sorties et surtout de m'attendre aujourd'hui. Hein. Enfin, ça change pas d'habitude quand même. Vous m'attendez un peu plus aujourd'hui, quoi. Un peu moins dans les descentes. Papa. Oh, j'ai... Non, non, c'est là. C'est là, les gars. C'est sûr que c'est là. Ayez confiance. Ayez confiance. N'ayez pas peur. Ça glisse. Ouh là, racine, racine, racine. Nut, nut, nut. Ouh. Allez, prends le trou. Ah. Ouh. Je vous l'avais dit que celle-là, elle était pas belle. Hein. Ça glissouille, hein. Ouais, je comprends pourquoi ils ont... Ouais, celle-là, elle a vachement raviné. Ouh. Bon, pour une reprise. Ouais, non, non, ça sert à rien. Allez, le plus dur, il est fait, là, je crois. Enfin, normalement. Ça serait dommage de rater une gamelle. C'est pas celle qui glissait à tombeau la dernière fois, celle-là ? Bon, on a rejoint les copains. Parce qu'on est retourné à gauche au lieu de la droite, du coup. Au lieu de se faire une remontée tranquille par des FCI, on va remonter par du beaucoup plus raide. Tant pis. On a signé, on va en chier. Par contre, toujours aussi beau, regardez-moi ça. Sous les chaînes. C'est magnifique. Bon, mais finalement, petite erreur en faveur de la banque. Oublié de prendre à droite, donc du coup, on a chanté le gros morceau en single qui devait monter le bon coup de cul. Et on est arrivé directement sur la petite large qui va nous remonter
aux Issambres pour la deuxième petite descente avant le retour aux voitures. Là on a Fabien, les bons élèves du confinement. Ils envoient comme des avions de chasse. Ah putain, j'accroche pas les amis. C'est compliqué de revenir au niveau. Va pas falloir lâcher un week-end. Serrer les dents. Et essayer de suivre. Pas de remède miracle. Bon bah changement de programme. C'est décidément. On va prendre ça là de descente. Ah, celle-là, j'avais pas envie. Parce qu'elle est toute en relance après. Oh, il faut la forme pour la faire ça. Ça glisse. C'est bon, il y a plein de racines. Ah, ah ça glisse. Hop là. Ah ouais, c'est passé. Tu veux avancer. Tu le sens partir. Et il raccroche, je sais pas comment. Tout le moment, je me retrouve dans la baille. Oh putain, je suis vraiment pas en descente. Je t'emmerde pas trop. Je suis en train de faire un bouchon derrière. Ouh là là là. Single en sous-bois là. C'est pas beau? Oh, oh là là, le frein arrière il est comme moi. Il crie sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Non, non. Qu'il est mouillé. Oh putain, c'est horrible. Oh ce sale bruit de frein, j'ai perdu les plaquettes ou quoi? Allez go go go, ça glisse presque pas. Allez, la gamelle, c'est en vignette. C'est comme vous voulez. Si vous... Une gamelle, vous gagnez le droit d'être en vignette. Non, ils veulent pas. Dudu, peut-être. C'est par là. J'ai dit, la gamelle, t'as gagné le droit d'être en vignette. C'est comme tu veux. Oh, bah, il est tranquille. Bon, pas de vignette non plus. Non, non. Ah, ils sont frileux. Ils sont frileux pour la vignette. Ils sont frileux. On fera pas de vue cette vidéo, tant pis. Tant pis, tant pis. Glisser chef. Ah, moi mes freins arrière ils ont crié de peur. Ah putain du bruit. Je crois que j'ai perdu les plaquettes en route quoi. Allez toujours dans les petits singles, on n'a pas récupéré encore le DFCI. On en profite encore comme c'est beau. Le cardio pour l'instant il suit. Ça va. On va rester après ça. Une grande montée. Je pense que de toute façon, même si je voulais pas aller jusqu'au bout, j'avais pas le choix, je suis obligé de la reprendre. Mais ça tient. Je suis content de m'être forcé à venir, même si dans l'absolu, il aurait pas fallu. Mais c'est con à dire, mais quand la tête elle va, le corps il suit. Bon ben petit single descente relance fini. Chaque fois qu'on a terminé, je sais pas pour vous, mais moi c'est une grande victoire. C'est comme si j'avais booké un Roc de Razur de 80 boards. Quoi. Oh putain, ça fait que du bonheur. Que du bonheur. Ils sont là l'équipe. Ah. Allez, on se refait tranquillement les jambes sur du roulant avant la dernière grande côte de la sortie. Ben, finalement, on aura tout fait. Enfin, on va tout faire, je veux dire. On va tout faire. Ça
petit roue entre les deux DRCI, mais toujours si sympa. La dernière qui grimpe. La dernière qui grimpe. On est dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer les dents. Appuyer sur les pédales. Et arriver en haut. Sortir la mort arrivée. Voilà. Allez, on continue de monter. Et dans la deuxième partie, selon moi, la plus difficile. Pour l'instant, ça tient. Le dos tire, mais j'arrive à appuyer sur les pédales. C'est bon signe. Et sur le gâteau, pour l'instant je suis pas dernier. Ça fait du bien au moral aussi, même si on ne tire pas la bourre. Mais ça fait du bien quoi. De pas toujours être dernier sur la même sortie quoi. Allez, on est au bout. C'est fait. Fier de moi. Je suis accroché. Mal à reprendre mon souffle, mais la dernière elle est passée sur le vélo, je suis super content. Dudu, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai chié. Elle tue celle-là en dernière. Ouais. Allez, on est ouais. Tous arrivés. Bon, on va être, je pense, obligé de descendre par la DFCI parce qu'il y a une petite battue dans le. Donc ça sert à rien d'y aller. Allez, ça descend tranquillement. Dommage qu'il y ait les chasseurs, on va voir si on peut pas récupérer un petit peu plus bas un petit single. Pour pas les emmerder. Et puis voilà. Allez. Ah, un petit tronçon de descente. Apparemment, il n'y a plus de chasseurs. Alors, on y va. Allez, viens là, là, là. Bon ça. Oh, ça aurait été con de pas la faire, ça là. Aussi. Par contre, petit rocher, la petite mousse verte, ça glisse. Hein. Faire gaffe. Manque un peu de vitesse tout ça. Oh putain, j'ai la roue avant. Ça te donne pas l'envie de. De prendre de la vitesse, parce que je te dis pas quand elle part à droite ou à gauche. Petit truc de mousse. C'est une patinoire. Oh, c'est bon. Ouh ! De l'arrière, il a voulu passer devant. J'ai freiné sur la dalle. Ce qu'il faut pas faire. On aura quand même fait pour une reprise de bien belle descente. Hein. Ah, qu'est-ce que. On est parti à la chasse au froid. De devant. Si on y arrive. Putain, je voulais prendre la rigole, mais elle était vachement profonde. Heureusement qu'au dernier moment, j'ai vu. Allez, on les a récupérés. Voilà, sur ces dernières images boueuses qui raviront nos nordistes. La sortie va se terminer. On s'est fait un petit 32 km pour 670 mètres de dénivelé. Le dos a tenu. Je suis content. L'objectif premier, c'était de faire du roulant et de belles descentes. Ben, comme vous avez pu le voir, je pense que l'objectif est atteint. On s'est régalé. Pour une reprise, ça fait du bien. Même si les sensations, elles n'étaient pas tout à fait revenues.
ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien de retrouver les copains qui nous ont fait une super sortie. Et j'espère que la vôtre, elle s'est aussi bien passée que la nôtre. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Ciao ciao!